Salut à tous et bienvenue pour cette 7e vidéo de partie sur The Story of Mine qui est filmée de suite après la 6e d'ailleurs. La dernière fois, qu'est-ce qu'il s'est passé? Bah la journée d'avant était plutôt tranquille, j'ai pu faire ma journée, j'avais pas grand chose à faire, j'ai essentiellement farfouillé et j'ai fait tourner mes personnages sur la chaise que j'avais construite pour diminuer leur mal-être. L'exploration s'est bien passé en fait, non pas plutôt. J'avais réparé la guitare, j'ai pu la vendre, j'ai trouvé un couteau qui coûte cher, j'ai acheté des armes à feu, voilà, ça c'était plutôt bien, j'ai aidé quelqu'un en fait à cramer sa maison, rappelez-vous, j'ai pu diminuer mon mal-être, j'ai trouvé des choses vraiment... Un très bon script, j'ai trouvé en tout cas pour moi. La phase de raid de nuit qui devait être tranquille en fait, vu que j'ai toujours ma porte blindée, mes barricades, j'ai une hachette, tranquille, vraiment, voilà. L'a pas été autant que ça en fait, parce que j'ai eu un poids de la réalité qui m'est tombé dessus et ça s'est pas très très bien passé. Bon, j'ai perdu un bandage, mais bon, peut-être que j'aurais pu, je sais pas du tout si je m'étais battu. En tout cas là ça va maintenant, j'ai en tout cas pour me battre, j'ai dans le mille et tire à la tête, donc ça veut dire qu'avec une arme à feu ou une hachette je peux one-shot quelqu'un. J'ai en arme également un canon scié, ce qui va être très rigolo, si je peux l'utiliser, voilà. Et bien je suis prêt pour commencer cette nouvelle journée par un bombardement. C'est parti, bombardement, fantastique. Si au moins deux personnages sont partis collecter la nuit précédente, votre refuge devient la cible d'un bombardement. Deux personnages ne sont pas allés collecter la nuit suivante, donc il ne se passe rien. Alors oui, j'ai utilisé des petites astuces pour pouvoir faire comme si on était deux voire trois, mais en tout cas deux de mes personnages ne sont pas partis collecter, ça c'est sûr, même si j'ai pu ramener beaucoup plus de choses, donc il ne se passe rien. Alors je dois rajouter un pion froid, même trois pions froids à cause de hiver rude, sauf que j'ai toujours tous les pions froids du jeu, voilà, donc ils commencent un peu à se les cailler dans mon refuge, ce qui m'a un avantage, c'est qu'on peut pas se les cailler plus. Et c'est parti pour cette journée. Donc les états de mes personnages, c'est toujours pas foufou, hein. Là j'ai pas mes actions. Anton n'en fera qu'une, Maurice en fera deux, ça c'est bien, et Romain n'en fera deux aussi. Je vais commencer, je vais envoyer Boris se reposer, toujours dans un but d'optimisation de mes actions et de mes repos. Non, maintenant j'ai 5 composants et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bois. Je pense que Roman va essayer d'avoir une idée, et ça va me permettre de récupérer le chauffage amélioré, et sûrement, après tous les autres, il me faut déjà avoir fabriqué des choses. Le lit, peut-être. Non, le lit, ça me sert à rien. L'atelier de métallurgie, ça me servira à rien. Le jardin des plantes, ça me servira à rien. Je vais prendre, voilà, on va dire... améliorer l'assommoir en cage piégée. Et Anton va aller... Anton n'a pas de mal-être, donc c'est plutôt bien. Il va aller farfouiller. Est-ce que je vais avoir autant de chance que la dernière fois? Si je fais 10, ça serait vraiment très très bien. Je pense pas faire 10. Non, c'était pas un 9, cette fois-ci c'était un 6, 6 et 2. Et je vais prendre 2 bois. Roman, il a eu ses idées, donc les cartes, je les mets dans le paquet bricolage, elles sont maintenant accessibles, et Boris s'est reposé. J'enlève le petit jeton. Deuxième action, Anton il peut plus en faire, donc Anton va aller se reposer. Roman va aller construire le chauffage amélioré. Le chauffage amélioré qui va me demander 3 composants, 2 pièces mécaniques et une pièce électrique. Voilà, et maintenant Boris... Il va aller. Le collecteur d'eau, qu'est-ce qu'il faut exactement pour faire le collecteur d'eau? Ça m'intéresse en fait. Le collecteur d'eau, il faut beaucoup trop de composants. Il faut du bois. Okay. Bon, peut-être pour demain. On verra. Et Boris va aller farfouiller, comme ça je vais essayer d'avoir encore du bois ou des composants. Boris, qu'est-ce qu'il lui va trouver? J'ai fait un, mais il trouve pas grand-chose. Trouver un composant. Roman, il construit. Voilà, normalement je vais avoir enfin un chauffage pour essayer de diminuer tout ce froid dans mon abri, et Anton il se repose, et maintenant c'est au tour de Roman de se reposer. Anton il a rien à faire, et Boris lui il va aller chauffer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors ça me coûte cher, hein, mais là je vais comme ça enlever tous mes pions froids, et comme ça il fera chaud, et j'aurai personne qui tombera malade cette nuit, si c'est pas fantastique. Alors oui, hein, ça va vite remonter, mais avec peut-être un peu de chance, et eh bien j'arriverai à la fin du... bientôt à la fin de cette guerre. Donc voilà, ma journée est terminée, c'était la journée sûrement la plus rapide que j'ai jamais faite, pas réellement la plus intéressante non plus. Bon. Maintenant, c'est parti pour allouer l'eau à mes survivants, j'ai 3 d'eau donc je vais allouer 3 d'eau. Ah oui, il faut que je rentre avec de l'eau forcément là. Je vais utiliser 3 nourritures, comme ça, hop, c'est réglé. Maintenant, je vais choisir qui c'est qui va aller explorer.
Alors là, je pense que je vais envoyer comme d'habitude Boris, hein. Je vais envoyer Roman avec lui, et ça va être Anton qui va monter la gueule. Ça me semble une bonne équipe, là. Je vais partir avec une hachette et un canoncier, parce que faut pas déconner. Je vais partir avec toutes mes munitions également, parce que faut pas déconner. Et là, je me sens bien pour à peu près affronter n'importe quoi. Parce que c'est peut-être Roman qui va garder et Anton qui va suivre, voilà. Parce que là, j'ai pas trop de problèmes, je pense qu'Anton, j'aurais jamais besoin d'utiliser une carte. Avec les autres, ça me semble bien de pouvoir utiliser une carte pour one-shot quelqu'un au cas où. Je vais aller au supermarché. Quand les courses sont plus faciles, la vie peut l'être davantage. Donc, je prends 12 cartes. Et je prends mon plan aussi, que je n'oublie pas. Voilà, donc là, je pense pas que je vais explorer les environs, je vais juste partir comme ça. C'est parti. Première carte, fouiller les décombres, augmenter le bruit de... Envoyer deux cartes pour augmenter le bruit de 1, ou j'augmente le bruit de 1 pour lancer le dé pour le bruit. J'ai augmenté le bruit de 1 et j'ai lancé le dé pour le bruit. J'ai fait 3, c'était juste, mais ça passe. Et je prends une carte dans le paquet de trouvailles, ligne décombres. Décombres, je trouve une guitare cassée, une douille, et je lance le dé. 6, qu'est-ce que c'est 6? Une pièce d'arme. Voilà, ça permettra toujours d'être échangé. Deuxième carte, porte fermée. Est-ce qu'il y a une porte fermée? Oui, il y a une porte fermée, donc il me faut un crochet, je n'en ai pas, comme ça au moins c'est réglé, ça sert à rien. Le pôle de la réalité, fantastique. Piocher une carte dans le paquet couleur, et puis ensuite je regarde la première carte du paquet exploration. Ça va bien se passer, bien se passer. Couleur noire, fantastique. Première carte du paquet exploration. 388. Tout s'est passé si vite. Nous n'avions pas le temps de fuir ou de nous cacher. Ils ont traîné les gens hors de chez eux et les ont alignés debout contre un mur. Nous étions avec eux. Un officier fait la lecture d'un document. Sa voix forte ne comporte aucune trace d'émotion. Il prononce les mots comme une machine. Nous comprenons à peine ce qu'il raconte. Il parle de bandits, de terroristes, de châtiments et de justice, d'avertissements et de leçons à retenir. Les soldats enlèvent la sécurité de leurs armes et les pointent sur nous. Le son des coups de feu résonne dans tout le voisinage. Des 10 personnes alignées contre le mur, 5 s'effondrent au sol, mortes. Les survivants restent figés, conscients qu'aujourd'hui, la chance leur a permis d'être épargnés. Les soldats s'en vont. La neige est souillée de sang. Attribuez un chiffre différent à chaque personnage, y compris entre 1 et 10. Lancez ensuite le dé noir autant de fois qu'il y a de personnages. Si le résultat est égal au nombre attribué à un personnage, ce dernier est abattu, retirez-le du jeu. Fantastique, ce jeu est génial. Bah, je vais rester sur, on va dire, Anton 1 et Boris 2, voilà. Je vais rester vers ça. Donc j'ai fait 7. C'est plutôt bien. Et j'ai fait 7. Mes personnages s'en sortent. C'est fantastique, je n'ai pas de mort, c'est trop bien. Yes, yes. Voilà. Je suis désolé, là je sors un peu de l'ambiance du jeu, mais il me faut ça, là, c'est trop de... Je suis à la fin de la partie et j'arrive plus, là. Là j'ai envie de gagner, enfin j'ai envie de m'en sortir, et ça devient compliqué. Pas de chance. No, God, please, no, 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 no. Non, c'était pour le bruit. C'est pas possible. J'ai 8, ça va. Franchement, j'ai juste trouvé des décombres. Hein. C'est entrée du sous-sol. Est-ce qu'il y en a une? Oui, il y en a une. Entrée, augmenter le bruit de 3 et lancer le dé pour le bruit. Et une fois rentré, je rajoute des cartes exploration. Peut-être pas faire ça. Hein. Cachette. Vous pouvez ignorer cette carte ou renvoyer 2 cartes exploration pour garder l'utilité à n'importe quel moment de la collecte. Ah ben voilà. Je peux ignorer une rencontre ou effectuer une attaque en traite. Fantastique. Ah, je vais faire ça. J'envoie 2 cartes. Voilà. Donc j'ai une cachette, et maintenant je vais passer par l'entrée, par le sous-sol, donc j'augmente le bruit de 3, et je lance le dé pour le bruit. 1, 2, 3. J'ai fait 6. Ah bah 6, ça passe, en plus je rencontre personne. Voilà, le jeu décide de redevenir gentil. Ajoutez 5 cartes au paquet d'exploration, paquet de l'inconnu. Vous pouvez aussi défausser cette carte pendant cette collecte pour piocher et résoudre 2 cartes trouvailles au lieu d'une. Oups, je fais tout tomber. Avec mon plan, ça va être bien, ça. Bon, j'ai 5 nouvelles cartes, et j'ai un bruit qui dépasse tout, là, mais bon. Abri. Je peux diminuer le bruit, bon, je vais pas le faire, parce que j'ai ma cachette. Il y a quelqu'un, on monte le bruit de 3. Je suis à 8 de bruit. Là,
Je pense que la prochaine fois que je dois lancer le dé pour le bruit, je tombe sur quelqu'un. Fouiller les placards. Je renvoie 2 cartes exploration, je remonte le bruit de 1, je lance le dé pour le bruit. Ouh là là. J'ai renvoyé 2 cartes exploration. Et comme ça, je pioche et je résous une carte. Ligne placard. Le poids de la réalité. Voilà, comme ça, c'est dit. Rouge. Et c'est trouvaille rare 615. Vide. Cet endroit lui aussi est vide. Rien que quelques canettes. Merde. Elles aussi sont vides. Il n'y a rien ici. Nous n'avons pas encore regardé sur les étagères de droite. C'est la nourriture pour chiens. Beaucoup de protéines et de vitamines. Certes, nous ne sommes pas des chiens et l'odeur laisse beaucoup à désirer, mais c'est nourrissant. Ajoutez 3 conserves à la pile des trouvailles. Les gars, demain, c'est festin. Maman, et si pour là qui vont bien? Je vais utiliser ma carte pour prendre une autre carte trouvaille. Hein. Alcool frelaté, légumes, sucre, et je lance le dé. Alcool frelaté. Ben je peux pas échanger en fait. Donc je pense que je vais rentrer avec beaucoup de choses en moins. 9. 9 c'est une cigarette. Voilà. Parce que je fais pareil avec mon plan. Je peux utiliser mon plan en fait. Non, combien? Je vais juste compter le nombre de poids qu'il me reste, pardon. Donc, canon scié, achète, ça me fait 3, concert, ça me fait 6, guitare cassée, je m'en fiche. L'alcool frelaté, je m'en fiche. Ok, je vais arrêter ma collecte ici, et je vais rentrer avec ce que j'avais. Donc, je rentre avec une hachette, un canon scié, 3 conserves, ce qui me fait déjà 6, avec mes munitions, mon légume. Donc j'ai 6 et j'ai un poids max de 9, je prends de la douille, on sait jamais. Tout le reste... L'alcool frotté, je bazarde aussi. La cigarette, je prends. Tout le reste, je bazarde. Voilà. Je m'arrête là. J'ai pas envie de tenter le diable. De toute manière, je peux pas échanger. C'était bien de pouvoir échanger. Vraiment, c'est super bien. Là, je peux pas. Et j'ai 3 poids qui me restent. Et je vais prendre 3 os. Et le but va être que ce soir, en rentrant, je vais les donner pour ne pas avoir de problème. Voilà. Donc, cette phase est terminée. Ça allait assez vite. Toutes ces cartes-là, je les défausse. Et c'est parti pour la phase 2, raid de nuit avec Roman qui monte la garde courageusement. Enfin, c'est Roman, là il a une hachette, je peux one-shot à peu près, je peux one-shot qui je veux, donc j'ai pas de problème. Le poil arrêté, non, sérieusement, ça devient un gag, ça devient un gag, bon. Vert. Alors, ce qui se passe en vert. Et je regarde la première carte, raid de nuit. Vert, c'est 260 ans. Alors oui, les cartes de nuit, ça peut être... Enfin, les cartes... le poil de la réalité, ça peut être intéressant. Mais là, je préfère les cartes de nuit. Je sais ce qui va arriver. Je sais que je vais les battre sans souci. J'ai juste l'impression d'avoir construit... tout un chat... Enfin, des barricades pour rien. Pour rien. C'est embêtant. Ça m'embête. Nous entendons un cliquetis devant la porte. Quelqu'un vient de déposer un sac rempli d'outils métalliques. Que veut-il? Est-ce un cambrioleur? Sait-il que nous habitons ici? Puis il frappe à la porte. Bien le bonjour, bonnes gens. Je suis un homme à tout faire. J'ai une famille à nourrir, mais je ne suis pas le genre à faire la manche. Je travaille de mes mains. Vous avez des choses à réparer? Vous pouvez me payer? Vous pouvez défausser de l'inventaire des pions pour une valeur de 5 ou plus afin d'installer immédiatement une carte bricolage de votre choix. Défausser quand même les ressources et les pions requis. Moins 2 bois et 2 composants. En fait, c'est pas plutôt bien. Moins 2 bois et... Ah oui, les pions requis, mais... Oui, donc en fait... Alors, qu'est-ce que ça peut me construire? Le problème, c'est que là, je suis un peu en dèche. Fabriquer un collecteur d'eau de pluie. Je peux faire ça. Un assommoir, je ne peux pas. Le jardin des plantes. Un jardin de plantes. Je pourrais, mais là, j'en ai pas l'utilité. La radio, je peux pas. Le poêle rudimentaire, je peux pas. Non, j'ai pas assez de pièces mécaniques. L'atelier de métallurgie, je pourrais. J'en ai pas l'intérêt. Eh ben, je vais utiliser ce bon monsieur. Donc, ça va m'en coûter 5. Avec 5, je lui ai donné un légume. J'ai plein de choses qui viennent, donc je peux perdre un légume. Et pour installer un collecteur d'eau de pluie, donc ça me coûte quand même la pièce mécanique et le filtre. Ça, il faut que je le paye. Ça doit me coûter normalement 5 composants, mais il a l'air de réduire de 2 bois et de 2 composants. Donc ça me coûte que 3 composants et pas de bois. Voilà. Si je me suis pas trompé, je vérifie.
Voilà, donc c'est bien ça. Ça me coûte deux composants et deux bois de moins, donc c'est plutôt bien. Hop, ça, c'était là-bas, en fait. Donc je vais faire un collecteur d'eau de pluie que je vais mettre, on va dire... Oh là là, je vais le mettre ici. Comme ça, je pourrais un peu récupérer de l'eau. Alors, pas maintenant, certes, mais ça sera pour la nuit prochaine, ce qui ne me sert pas à grand-chose. Mais c'est toujours bien. Bah, encore une fois, cette journée a été assez calme. Quoique mouvementée, hein, lors de l'exécution. Mes collecteurs rentrent. Voilà. Avec, bah cette fois-ci, j'ai des conserves. Trois conserves, des légumes. J'ai des armes. Je vais dépenser deux eaux pour faire remplir mon objectif. Comme ça, c'est bon, j'ai plus trop de problèmes. Donc là, je suis parti pour la prochaine, pour la phase de destin. Donc là, quoi qu'il m'arrive, je... pas de problème. Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage, je n'en ai pas. Diminue de 1 la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. Anton diminue sa maladie. Roman est complètement guéri. Je défausse le médicament. Si pion froid mon barricade égale 4 ou plus, augmenter de 1 la maladie de tous les personnages, j'ai 0 pion froid, donc c'est plutôt bien. Échanger le petit lieu le plus proche, s'il n'y en a pas le lieu moyen le plus proche. Le lieu moyen le plus projeté, le chantier de construction. Donc maintenant j'ai mis l'avant-poste militaire tout en haut. Résolver le pion à temps, puis défausser-les. Et résolver les tréas de chaque personnage. Donc Roman se fume une cigarette. Boris. Si Boris est fatigué niveau 2-3, augmenté de 1 son mal-être. Et voilà, donc il y a au moins un livre. Et donc j'augmente de 1 la fatigue d'Anton. Anton est très embêtant avec ça. Et voilà, eh ben, cette septième journée de ma partie de This War of Mine est terminée. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je rentre dans le chapitre 3. D'ailleurs, je vais déjà faire remplir l'objectif puisque je sais que la carte va me dire. Bon, je pioche la carte chapitre 3. Comme ça, c'est fait. Vous venez de terminer le deuxième chapitre de la campagne. Résolvez la première carte du paquet objectif. Prenez la récompense si vous avez accompli la mission ou la sanction si ce n'est pas le cas. Et retirez-la du jeu. Ensuite, le jeu me dit très gentiment que je peux sauvegarder si j'en ai envie. Voilà, donc livraison d'eau pour les voyous, c'est fait, et je peux récupérer 10 bois, enfin... 10 pions entre des bois et des composants. Donc moi, je vais prendre 5 de chaque. Je vais gagner du temps, en fait. Hop, je vais mettre un là et un là, comme ça, c'est fait. Et c'est fini pour cette partie. Maintenant, j'arrive dans la phase finale du jeu, avec des événements un peu plus... dangereux. Ceux qui ont joué à la partie savent de quoi je parle. Donc là je suis vraiment bien, je vais commencer à plus trop faire l'idiot. J'ai de la nourriture pour sûrement survivre jusqu'à la fin, ça c'est vraiment bien. Donc limite je peux faire que je vais chercher de l'eau, je rentre, et j'ai même pas besoin de vraiment essayer d'aller très loin dans mes collectes. Ça c'est vraiment très bien. J'ai du chauffage, j'ai du bois maintenant, là je me sens vraiment safe, clairement. Sauf le poids de la réalité que j'avais pas prévu ou des catastrophes, je pense que la partie est plutôt bien. D'ailleurs, j'ai même oublié de prendre mes actions narratives comme d'habitude. De justesse, à jouer pendant un combat, il y aurait toutes les blessures infligées par un des combats, ou à jouer pendant une phase raid de nuit, il y aurait toutes les blessures infligées par une carte raid de nuit à votre service. Je peux retirer tous les gravats ou les décombres sans que ça coûte d'action, mais j'augmente la fatigue d'un personnage de 1. C'est peut-être pas mirobolant. Je prends de justesse, voilà. Là, je me sens tranquille. Bref, voilà, là, je suis vraiment à la fin, c'est le sprint final, mais j'ai de quoi tenir, et c'est bien. Enfin, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi, je vous fais des gros poutous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!